Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette cinquième émission, nous vous invitons tout d'abord à suivre la conférence en mouvement intitulée « Yoga, une philosophie de la Terre » en compagnie de Jeanne Burgard-Goutal. Et ensuite, vous découvrirez la librairie Le Pythagore et son coup de cœur littéraire. Enfin, nous suivrons l'auteur Rida Wergi lors de sa rencontre avec les élèves de l'école Voltaire-Moulin de Chaumont. Je m'appelle Jeanne Burgard-Goutal, je suis professeure de philosophie et je me forme aussi à l'enseignement du yoga depuis quelques années. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Être écoféministe, théories et pratiques », qui s'intéresse au mouvement écoféministe. Et l'une des pratiques que j'évoque dans ce livre, c'est le yoga, et plus largement les pratiques corporelles, la danse, etc. Et ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est en quoi le yoga n'est pas simplement juste une gymnastique ou une secte, mais peut, à mon sens, si on prend au sérieux et si on comprend le sens des postures, le sens de la pratique, avoir un rôle à jouer pour développer ce que j'ai appelé une philosophie de la Terre, qui soit une philosophie pratique de la Terre, qui me paraît utile dans un contexte de crise écologique aggravée. Alors pour commencer, je voudrais juste dire deux mots sur le contexte actuel. Il me semble qu'on observe depuis quelques années un retour du corps dans la sphère politique et dans la sphère de la pensée. Ça devient vraiment un thème central. On le voit bien d'ailleurs avec le thème de ce salon du livre. Ça pourrait sembler étonnant, un salon du livre consacré au sport. Il me semble que ça montre bien que le corps, la pratique physique, ce qu'on fait de son corps, ça devient quelque chose qu'on considère comme important et légitime et auquel on a envie de réfléchir. Au-delà de ce salon du livre, on voit aussi que dans l'actualité, la question du corps est absolument centrale et que actuellement, le discours politique, il s'articule presque exclusivement autour du corps. Les grands mots du discours public, depuis quelque temps, ce ne sont plus les notions classiques de liberté, fraternité, émancipation, bien commun, etc. Mais ce qu'on entend le plus dans le discours public, c'est plutôt éternuer dans votre coude, mettez votre masque, gardez vos distances physiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un âge de ce que Michel Foucault appelait la biopolitique, donc du grec bios, la vie. C'est-à-dire c'est la vie biologique qui devient un des enjeux centraux du discours public. Et la politique semble avoir pour mission principale actuellement, avant tout, de sauver des vies au sens biologique du terme. Donc mettre en avant ce qu'un autre philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben a appelé la vie nue. C'est-à-dire vraiment la vie au sens biologique du terme devient centrale. Le paradoxe qu'on pourrait relever, c'est que dans le même temps où le corps, la vie du corps, la vie physique, biologique, est au centre du discours public et apparaît comme la priorité politique, dans le même temps, il me semble que ça se fait dans une négation du corps. Négation des besoins réels d'un corps incarné, du besoin de se mouvoir, du besoin de toucher et d'être touché, de tout ce qui fait la richesse de l'incarnation physique. Voilà, du besoin d'embrasser, serrer dans les bras, etc. Je ne dis pas du tout ça pour mettre en cause les politiques, mais simplement pour signaler ce qui me semble être un paradoxe de à la fois mettre le corps au centre du discours et à la fois en aseptisant le corps ou en le réduisant à sa survie biologique ou à la question de sa santé. Cette négation du corps, elle me semble s'inscrire dans une des tendances de fond de la pensée occidentale qu'on pourrait appeler une tendance à la désincarnation. Il y a dans la pensée occidentale une tendance assez ancienne à dissocier le corps et l'esprit et à hiérarchiser ces deux entités en considérant l'esprit comme étant supérieur et plus essentiel que le corps. Cette tendance à la désincarnation, on peut la lire, par exemple, dans les pensées de Pascal, donc dans un passage connu voilà, sur l'homme comme roseau pensant, où Pascal écrit « Je peux bien concevoir un homme sans main, ni pied, ni tête, mais je ne peux pas concevoir un homme sans la pensée. Ce serait une pierre ou une brute. » Donc, on voit bien dans cette phrase qu'il y a l'expression de l'idée assez forte dans la pensée occidentale que la pensée, la conscience, est plus essentielle pour définir l'être humain que le corps.
les parties du corps, les mains, les pieds, même la tête. Cette désincarnation, elle s'exprime aussi dans nos grandes philosophies politiques et dans un certain nombre de nos grands idéaux politiques. Par exemple, la notion de l'homme, par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme un sujet désincarné, elle est assez frappante. L'homme de la Déclaration des droits de l'homme, il a pas de sexe, il a pas d'âge, il a pas de couleur de peau, il a aucune des particularités physiques qui en fait font la réalité de la diversité humaine. Donc on voit bien que ce sujet politique universel, il a pu se construire qu'au prix d'une désincarnation. Et que actuellement, avec le féminisme ou avec les mouvements antiracistes, justement, c'est un peu la diversité des corps qui vient questionner cet universel et demander qui c'est cet homme sans corps? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce qu'il est noir ou blanc? Et est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce qu'on peut penser de la même façon quand on arrête de nier le corps et qu'on pose sur la table la pluralité des corps? Un autre aspect de cette désincarnation ou une autre conséquence de cette désincarnation, selon les analyses de l'écologie profonde, c'est la crise écologique. Je vais citer par exemple Starhawk, donc qui est une philosophe qui se définit comme sorcière écoféministe néo-païenne, qui vit en Californie, qui écrit dans Rêver l'obscur, si nous considérions la Terre comme l'extension de notre propre corps, peut-être la traiterions-nous mieux. Mais à partir du moment où on est dans une forme de négation du corps, c'est aussi une des manières qu'a eu l'Occident de couper l'être humain de la nature. Couper l'humain du corps, ou en tout cas faire passer le corps au second plan, ça revient à considérer comme secondaire et finalement accidentel, et peut-être même, on pourrait s'en débarrasser, ce qui fait notre appartenance au monde physique et à la Terre. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de tendances actuelles qui vont dans ce sens-là. Par exemple, la tendance à la dématérialisation de l'existence, à la virtualisation de l'existence, de plus en plus de choses qui jusque-là se passaient en physique, en présence, commencent à se passer dans une bulle virtuelle. On le voit également avec la sorte d'ubiquité que ça permet. En fait, on n'a plus besoin, ou ça devient presque inessentiel d'avoir un corps qui soit incarné dans un endroit du monde, puisque par Internet, on peut finalement être partout, transgresser les limites du corps qui nous incarne ici et maintenant dans un endroit. Ce désir de transgresser le corps en tant qu'il nous limite, on le voit aussi dans les fantasmes transhumanistes, d'immortalité, de créer une sorte de super-humain ou d'humain du futur qui serait plus limité ni par la maladie, ni par le vieillissement, ni par la mort, mais qui pourrait finalement se prolonger à l'infini, donc qui serait enfin débarrassé de la corporéité. Donc cette question du corps me paraît avoir vraiment des enjeux qui sont importants aujourd'hui, et contre la négation de la corporéité qu'on observe à travers tous ces fantasmes transhumanistes, d'immortalité ou de virtualisation totale de l'existence, de dématérialisation des rapports humains, ou encore ce qu'on appelle des fois l'escapisme. Donc on voit dans beaucoup de films le désir qu'enfin on va pouvoir quitter la Terre et aller se construire une autre civilisation artificielle ailleurs. Donc contre ces tendances-là, le fait de réussir à habiter notre corps me semble être une voie de traverse intéressante à explorer. Pour moi, c'est justement là-dedans que s'inscrit la pratique du yoga aujourd'hui. C'est justement une réponse possible, il y en a d'autres, mais c'est une réponse possible, pratique, à la question comment habiter la Terre, comment habiter notre corps, au lieu de vouloir fuir dans des autres mondes virtuels ou dans des autres mondes extraterrestres, ou pour le dire autrement, comment atterrir. En 2017, le philosophe Bruno Latour a publié un livre qui s'appelait « Où atterrir ?», où il montrait justement que les idéaux politiques classiques ne fonctionnent plus, ne permettent plus de se repérer dans la réalité en temps de crise écologique majeure. Et donc, il s'interroge où atterrir, sur quel, donc, dans atterrir, il y a bien le mot terre. Dans quel lieu, dans quelle réalité peut-on s'incarner? Quelle réalité peut-on habiter?
Alors ici, moi, ce que je vais essayer d'explorer un peu, c'est pas la question où atterrir, mais c'est la question comment atterrir. À partir du moment où on considère que là, maintenant, il faut atterrir, il faut devenir ou redevenir ou accepter d'être des terriens, de pleinement habiter cette terre avec ses conditions, ses limites, à ce moment-là, la pratique du yoga me paraît aider à trouver voilà, comment atterrir, comment se réapproprier le corps, comment accepter les limites de la terre, du corps, comment habiter notre incarnation. Donc c'est ce que je vais essayer de clarifier à travers un certain nombre de postures. Donc originalement, je voulais vous faire participer et vous faire faire ces postures, puisque voilà, dans l'idée que le corps est essentiel, c'est par l'expérience personnelle que ça passe, mais les conditions ne le permettent pas. Donc je vais montrer quelques postures et les commenter au fur et à mesure. Mais évidemment, l'idée, ça serait que si vous le souhaitez et si vous le pouvez, soit en m'écoutant, soit après ou un autre jour, vous fassiez l'expérience par votre corps de ce que ça produit comme effet de faire ces postures. Une petite précision aussi avant de montrer mes postures. Donc je vais expliquer à chaque fois quel est le sens de ces postures. Je prétends absolument pas délivrer la vérité sur la signification du yoga et même la façon dont j'interprète le yoga et dont j'interprète certaines postures est contradictoire avec d'autres interprétations du yoga. Il y a toute une lignée qui est historiquement la lignée dominante du yoga qui va consister à faire le contraire de ce que je vais expliquer, c'est-à-dire qui consiste justement à réussir à mettre fin au cycle des réincarnations, à se libérer du corps, etc. Donc il y a une tendance dominante qui est ascétique, qui cherche à se délivrer du corps. Mais il y a une autre tendance qui est plutôt ce qu'on appelle la lignée du yoga tantrique, par opposition au yoga classique, qui est au contraire une manière d'explorer, d'habiter et de jouir pleinement de son incarnation physique, de l'expérience qu'on peut faire en ayant un corps et en ayant un corps sur cette terre. Donc les explications que je vais donner, elles sont partiales, elles sont personnelles, elles s'appuient sur une tradition, mais c'est pas la seule voie qui existe dans le yoga. Et voilà, ça rentre en contradiction avec d'autres interprétations. Donc je vais suivre le déroulement qui est le déroulement assez habituel d'une séance de yoga telle qu'on le pratique le plus souvent actuellement, donc plutôt dans une lignée qui s'appelle le vinyasa, et au fur et à mesure expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire et quel sens ça a aujourd'hui, donc dans ce contexte de crise écologique, de perte de notre rapport conscient avec la nature, quel sens ça a de faire cette pratique-là. Donc souvent, on commence une pratique de yoga en assise. On commence simplement par se poser sur la terre, par mettre en contact avec la terre non seulement nos pieds, mais aussi les fessiers, les ischions, le bassin, par poser les mains sur les genoux et fermer les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Déjà, il me semble qu'on fait quelque chose qui, finalement, n'a l'air de rien, mais qui, en fait, est super subversif dans le contexte actuel. C'est-à-dire que là, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Et même, je peux rien faire. Mes jambes sont pliées, je peux pas bouger, je peux pas agir, je peux pas m'activer. Mes mains, en plus, elles servent à rien. Elles sont posées sur mes genoux, je peux rien en faire. Donc, je me condamne moi-même à l'improductivité. Et l'improductivité, la paresse, ne rien faire, ça n'a pas tellement bonne presse aujourd'hui. Donc, dans le simple fait de prendre quotidiennement un moment qui peut aller de 5 minutes à plusieurs heures où j'arrête la course, j'arrête de courir, j'arrête de participer à l'agitation du monde, c'est déjà une forme de transgression
d'un certain nombre d'injonctions contemporaines. Donc injonction à aller vite, être actif, en faire toujours plus, participer à la croissance, être productif. Là, je refuse en fait. J'arrête la course, je refuse et je veux plus y participer. C'est une résistance contre ce que le philosophe Paul Virilio a analysé et auquel il a donné le nom de dromosphère, c'est-à-dire le monde de la vitesse, dromos en grec, le monde de l'accélération, qu'on observe aujourd'hui, une accélération permanente du travail, des innovations, du rythme de renouvellement des technologies, des transports, des circulations d'informations. Là, au contraire, je décélère radicalement puisque je choisis l'immobilité. Donc, premier point important. En plus de ce refus, le deuxième point, donc une fois que je me suis déposée dans la terre, que j'ai vraiment fait l'effort de concentrer toute ma présence ici et maintenant, dans cette posture, qu'est-ce qu'on fait ? On respire. Mais on ne respire pas d'une façon ordinaire. D'habitude, dans la vie courante, on n'a pas conscience de sa respiration. C'est très rare que... Alors, sauf peut-être quand on est vraiment essoufflé, ou là, on s'aperçoit qu'on a le souffle court. Mais sinon, quotidiennement, c'est une fonction qui s'exerce de façon complètement automatique, sans la participation de notre conscience et sans notre attention. On laisse le corps faire tout seul la respiration. Donc ici, il y a une sorte d'inversion de l'attention habituelle, où au lieu d'être attentif à tout ce qui se passe autour, on porte l'attention sur cette fonction biologique primordiale qui est simplement la condition de possibilité de vivre. À la rigueur, on peut passer quelques jours sans manger ou sans boire, mais on ne peut pas passer très longtemps sans respirer. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire passer au premier plan de notre conscience et de notre attention quelque chose qu'on néglige complètement d'habitude, alors que c'est le fondement de notre vie et le fondement de la vie, à savoir la respiration. Dans la pensée qui sous-tend le yoga, la respiration, c'est pas simplement inspirer et expirer de l'air. Donc les concepts qui sont utilisés par les yogis de l'Antiquité, évidemment, ce ne sont pas ceux d'oxygène, dioxyde de carbone, etc. Le concept qui est utilisé, c'est le concept de prana. Prana, c'est un petit peu l'équivalent du chi en chinois. Bon, il y a des nuances, évidemment. Mais c'est cette idée d'énergie vitale qui emplirait et qui animerait la totalité de l'univers sans distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, en portant l'attention sur la respiration, on porte l'attention sur l'échange permanent entre notre corps et le monde vivant. Donc, par exemple, je le dis avec des termes plus contemporains, mais on porte l'attention sur le fait que on inspire de l'oxygène que nous donnent les arbres et que nous donnent les fonds marins et que nous donnent voilà, tout ce qui, dans la biosphère, permet de produire de l'oxygène. Et qu'on expire du dioxyde de carbone qu'on va redonner à ces autres êtres vivants. Donc il y a l'idée de prendre conscience de notre appartenance à un cycle cosmique, le cycle de l'énergie, le cycle de la respiration, qui s'exprime à chaque instant, à chaque seconde, par le souffle. Donc c'est vraiment l'idée de prendre conscience de notre appartenance au monde vivant, prendre conscience que cet échange de prana ou cet échange de souffle est la condition de notre existence. Donc on n'est pas des êtres indépendants, hors sol, dans des bulles, mais qu'on dépend de l'écosystème simplement pour être en vie, pour survivre à chaque instant. Et il y a la tentative de s'effacer derrière la conscience de ce principe cosmique.
Donc, dans cette posture, je ne suis pas censée penser à mes problèmes, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est super important pour moi maintenant, etc., ou ce soir. Mais on efface sa personnalité, son individualité, comme simplement un petit fragment d'une totalité beaucoup plus grande, à laquelle on décide de consacrer de l'attention pour une demi-heure ou une heure ou pour le temps de la pratique. Donc, il y a une relativisation de soi-même, de son ego, de son individualité, à l'égard du souffle cosmique et de ce qui est plus grand que soi. Donc voilà pour cette première posture. Par la suite, on commence souvent debout pour se mettre en mouvement, dans une posture qui s'appelle la posture de la montagne. Alors parfois on la prend pieds serrés, parfois les pieds largeur du bassin, il y a différentes variantes. Donc là aussi, c'est pas très spectaculaire. Simplement, on est debout. Dans cette posture, ce qu'on cherche à faire, c'est de ressentir notre place dans le monde. Ce qu'on ressent quand on est dans cette posture de la montagne, c'est que ma place dans le monde, c'est pas que je fais tel boulot, voilà, par exemple, je suis prof de philo, ou que je suis mariée avec telle personne, j'ai tels enfants, etc. C'est-à-dire, là, dans cette posture où je suis une montagne, ma place dans le monde n'est pas mon rôle social. Ma place dans le monde, c'est d'être entre la terre et le ciel. Et donc, dans cette posture, en fait, on active toujours deux directions. On a l'air statique, mais en réalité, c'est une posture qui est très dynamique intérieurement, voilà, avec un engagement musculaire de l'intérieur du corps. Et souvent, on associe à cette posture une visualisation. Ou par exemple, je visualise des racines qui pousseraient à partir de mes pieds et qui m'enracineraient dans la terre. Alors peut-être elles cherchent jusqu'au noyau terrestre, ou peut-être elles se répandent autour de moi, mais je cultive cette idée que mon enracinement, c'est pas mon appartenance à tel ou tel groupe social, ou à telle famille, tel métier, etc., mais que mon enracinement, en fait, il est cosmique. Que mon réel enracinement, ma réelle stabilité, c'est pas la société, c'est la terre. Et également, on se représente souvent aspiré vers le ciel. Donc il y a vraiment l'idée de cultiver cette sensation, que je suis un pont entre la terre et le ciel, et que en tant qu'être humain, ma place réelle est ici, entre le ciel et la terre, et non pas pas primordialement dans telle ou telle fonction sociale qui est vue simplement comme du théâtre, comme un personnage du point de vue du yoga. Maintenant, je vais présenter un autre enchaînement qui est très connu, qui est peut-être l'enchaînement le plus connu dans le yoga, qui s'appelle Surya Namaskar. Des fois, on traduit salutation au soleil, donc Surya, c'est le soleil, mais Namaskar, c'est plus fort que salutation. Namaskar, ça veut vraiment dire je célèbre, je glorifie. Donc, là aussi, c'est une pratique que je pense tous les pratiquants de yoga, et ils sont 3 millions en France, ont déjà faite. Mais l'idée est là aussi de la faire avec une certaine attitude intérieure, c'est-à-dire l'idée que quotidiennement, je célèbre le soleil, je le glorifie, je le remercie d'être là et je lui adresse mes pensées. Donc c'est un peu une sorte de prière païenne ou de petit rituel dansé païen. Donc je vais montrer l'enchaînement.
Donc Surya Namaskar, c'est vraiment une des pratiques les plus répandues aujourd'hui. Alors en réalité, c'est un enchaînement qui est assez moderne, qui certainement existe que depuis le 19e ou 20e siècle. Mais dans le yoga tel qu'il est pratiqué en Occident aujourd'hui, c'est vraiment une des bases. L'idée de cet enchaînement, c'est donc, comme je l'ai indiqué, d'adresser au soleil une pensée, une forme de célébration. Une des manières de pratiquer ce Surya Namaskar, c'est de le pratiquer en récitant intérieurement un mantra qui consiste dans 12 noms du soleil qui, en fait, mettent en évidence différentes qualités du soleil. Et donc, on dit « je m'adresse à toi » ou « je te célèbre en tant que source de vie » ou « en tant que c'est toi qui fais croître les plantes, c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous donne la lumière, c'est toi qui dissipe l'obscurité ». Tu te déplaces dans le ciel, tu es source du mouvement et du changement, etc. Donc il y a une sorte de descriptif de différentes caractéristiques du soleil et des raisons pour lesquelles on peut le célébrer, parce que voilà, c'est grâce à lui qu'il y a de la vie, de la croissance, de la nourriture, plein de belles choses de l'existence. Une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi dans cette célébration du soleil, on ne le fait pas simplement de façon statique, par exemple en s'asseyant face au soleil ou juste en pensant au soleil dans sa tête, mais sans bouger. Une des réponses qu'on pourrait apporter, c'est de dire que ce qu'on cherche à faire, c'est à imiter le soleil. Et ça, c'est une constante, on le verra dans les postures que je montrerai après. Il y a vraiment cette idée d'incarner différentes formes de vivant et de ne pas se contenter d'adresser des pensées au soleil, par exemple, mais de, dans son propre corps, suivre le mouvement du soleil pour entrer dans le cycle, entrer dans la danse cosmique, entrer dans, en l'occurrence dans la danse du soleil. Donc si vous... Je vais juste lire une petite citation et après je remontrerai pour illustrer. Donc c'est une citation extraite du Vijnana Bhairava Tantra, qui est un des tantras, donc un des textes portant sur la philosophie tantrique. Les vagues naissent de l'océan et s'y perdent. Les flammes montent puis s'éteignent. Le soleil surgit puis disparaît. Ainsi, tout trouve sa source dans la spatialité et y retourne. Donc cette idée de monter et descendre, naître et mourir, surgir et disparaître, cette idée de cycle, on l'illustre physiquement à travers la salutation au soleil. Donc je remontre juste une partie pour illustrer. Ou de la même façon que les flammes, les vagues, le soleil, en fait, on s'élève et on redescend derrière l'horizon. Et tous les mouvements sont coordonnés à de la respiration. Là aussi, il y a l'idée d'associer le cycle respiratoire inspire-expire au cycle de tout ce qui existe, de flux et reflux, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, les êtres qui naissent et qui meurent, etc. Donc, en inspirant et en expirant, on reproduit consciemment à l'intérieur de soi ce cycle cosmique de mort et de naissance, mort, renaissance, remords, etc. Donc, inspire, je me lève comme le soleil qui se lève. À l'expire, je plonge comme le soleil qui plonge derrière l'horizon. Inspire, je surgis à nouveau. Et expire, je plonge à nouveau. On peut imaginer le soleil derrière l'océan ou l'horizon. Inspire, à nouveau, je renais. Expire, je replonge. Inspire, à nouveau, j'émerge. Et expire, je plonge. Inspire, expire.
Donc on voit qu'il y a une dimension mimétique dans cette salutation au soleil, où je suis ce qu'on appelle la Trimurti, c'est-à-dire ce cycle début, milieu, fin, symbolisé dans l'hindouisme par la trinité Brahma, Vishnu, Shiva, donc le dieu du début, du commencement, de la création, le dieu du milieu, de la préservation, de la protection, et le dieu de la fin, de la destruction, de la mort. Et dans, à la fois dans le mouvement, dans la respiration, on s'inscrit par l'imitation dans ce cycle cosmique. Au lieu de le nier, de vouloir une forme d'immortalité, l'idée est ici, au contraire, de se familiariser et de s'intégrer dans ce cycle par cette salutation au soleil. Ensuite, dans une séance de yoga, souvent, on va enchaîner par différentes postures, qui sont des postures qui, très souvent, ont des noms d'animaux ou de plantes ou de divinités, ou bien de différents objets qui existent dans le monde, y compris des objets fabriqués par des humains. Donc je vais juste en montrer quelques-unes. L'idée est d'opérer une forme de biomimétisme, on pourrait dire, c'est-à-dire, comme dans la citation de Starhawk que j'ai évoquée, dans laquelle elle dit « Si nous considérions la Terre entière comme l'extension de notre propre corps, peut-être la traiterions-nous mieux », ben là, il y a l'idée de mettre notre propre corps dans plein de formes différentes, de devenir corporellement tel animal, telle plante, tel objet, telle divinité, etc. Précisément pour rompre la frontière entre soi-même et le reste du monde ou le reste de l'univers, et essayer d'incarner et de se rapprocher de toutes les formes vivantes. Donc je vais juste en montrer quelques-unes. Donc ici, on a par exemple la posture de l'arbre. Donc je donne leur nom seulement en français, elles ont des noms sanscrits, mais voilà, je donne les noms en français, ça sera plus aisé à comprendre. Parfois, on la fait comme ça, donc avec l'idée de déployer ses branches. Et l'idée est toujours de pas simplement imiter extérieurement, mais comme dans la danse indienne, qui est vraiment une forme de jeu, d'incarnation. Donc d'essayer de se sentir arbre, sentir l'enracinement dans la terre, sentir l'élévation, le vent dans les branches, etc. Un animal maintenant. Donc, par exemple, dans la salutation au soleil, il y a une des postures qui est typique, qui est la posture du chien la tête en bas. Donc, qui est cette posture. On a aussi la posture du chien la tête en haut. Ou encore du cobra. La posture de l'enfant. La posture du chat. Il y a plein d'autres animaux, par exemple la posture de l'aigle. Donc ça, c'est de l'aigle Garuda, qui est aussi une divinité. Il y a aussi beaucoup de postures qui représentent des humains. Par exemple, la posture du guerrier. Alors, il y a plusieurs guerriers. Voilà, ça, c'est l'un des guerriers. Ou encore
des artefacts aussi. Par exemple, une posture qu'on appelle, alors en français, on l'appelle la posture du pont. En sanskrit, c'est la posture de l'arc. Donc, à travers toutes ces postures, déjà, on s'aperçoit que dans la pensée indienne, il n'y a pas de... Vous voyez qu'il y a à la fois des humains, des objets fabriqués par les humains, des animaux, des plantes, des divinités aussi, comme l'aigle Garuda, où il y a beaucoup de mudras, donc de gestes des mains liés à des divinités. Par exemple, le mudra de Ganesh, le dieu éléphant. Le mudra de Kali, donc comme dans le métal, la déesse de la destruction. Donc, il n'y a pas d'opposition faite entre le monde humain, le monde divin, le monde naturel, le monde des plantes et des animaux. Et d'ailleurs, dans le sanskrit, il n'existe pas de mot qui opposerait nature et culture. C'est une des différences avec les langues européennes. Donc, on ne considère pas du tout que l'humain serait à part de la nature. C'est un grand ensemble dont l'humain fait partie et auquel il cherche à travers ses postures à se relier consciemment. Dans ces postures biomimétiques, donc où il y a ce jeu d'identification avec d'autres êtres que l'être humain, c'est vraiment dans la droite lignée d'une des quêtes principales du yoga, c'est-à-dire de cesser de s'identifier simplement avec son petit moi, avec son identité sociale, personnelle, psychologique, son vécu, son histoire propre, mais au contraire d'élargir l'identification et de s'identifier in fine avec la totalité du cosmos, avec la totalité de l'univers et avec le soi, donc l'esprit universel. Mais ça peut commencer plus modestement par tenter d'assouplir ce à quoi on s'identifie, en adoptant ces différentes formes et donc en étant capable de s'identifier de façon souple, de jouer avec les identités, de s'identifier avec telle divinité, tel animal, pour en intégrer les qualités. D'autre part, dans la représentation de la nature qui sous-tend le yoga, la nature n'est pas composée de formes séparées les unes des autres, du type la vache, le chien, le chat, le pont, etc. La nature est faite de circulation d'énergie et de circulation de différents principes qui se changent les uns dans les autres, qui sont mouvants, qui se transmutent les uns dans les autres, et qu'on appelle en sanskrit par exemple les vayus, qui signifie les directions de l'énergie, ou les mahabhuta, qui sont les cinq éléments, donc terre, feu, air, eau et espace, ou encore les doshas, qui sont des sortes de fonctions psychophysiologiques qui animent la totalité de l'univers et qui vont créer tel ou tel phénomène selon leur équilibre ou leur déséquilibre, etc. Donc il y a vraiment la représentation d'un univers qui n'est pas tant fait de substances, donc de choses matérielles ayant une consistance séparée, mais plutôt de flux, de mouvements d'énergie. Et donc quand on fait les différentes postures que j'ai montrées, l'idée n'est pas seulement d'incarner telle forme animale, puis telle forme végétale, puis telle forme artificielle ou telle forme divine, en les laissant séparer, mais l'idée est plutôt d'essayer de se concentrer. Donc il y a vraiment tout un travail mental, en fait, dans le yoga, ou intérieur du moins, se concentrer sur les principes universels, naturels, qu'on active dans ces postures. Donc là, je vais juste illustrer cette idée en reprenant quelques postures et en montrant comment on les fait, et comment on les pense et comment on les construit quand on se dit pas simplement « je mets mon quadriceps de cette façon et ma rotule et mon bras, etc. » mais que on se dit « j'essaye de jouer avec telle direction énergétique », donc ce qu'on appelle les vayus. J'essaye de surfer sur Apana Vayu, par exemple, qui est la force gravitationnelle,
ou sur j'essaie de jouer avec Vyana Vayu, la force centrifuge. Donc j'ai juste illustré ça avec quelques postures. L'idée étant donc que cette direction de l'énergie, c'est ce qui crée tout ce qui est, que la création de l'existence des choses serait dans cette représentation philosophique qui sous-tend le yoga, simplement la manifestation, la matérialisation de ces jeux d'énergie. Donc si je me demande qu'est-ce qui se passe si la force centrifuge, donc on appelle Vyana Vayu, s'exerce entre mes pieds. Ben à ce moment-là, mes pieds vont s'éloigner. Entre mes mains, là aussi, il y aura une sorte de... Donc une posture, souvent on dit une posture, ce ne sont pas des formes, ce sont des directions. Donc là, Vyana Vayu écarte mes mains l'une de l'autre, écarte mes pieds l'un de l'autre. Maintenant, Apana Vayu, la force gravitationnelle, s'exerce dans mon bassin. Donc là, on se retrouve dans la posture qu'on appelle le guerrier 2, mais qui n'est pas conçue en termes de pensée yogique comme une imitation extérieure, mais comme l'exploration de ces différentes forces dans différentes parties de mon corps. De la même façon, si je me demande qu'est-ce que ça fait si Apana Vayu, donc cette force gravitationnelle, s'exerce dans mes mains et dans mes pieds. À ce moment-là, je me retrouve avec une pression des mains et des pieds dans le sol. Et si Udana Vayu, la force ascensionnelle, s'exerce dans mon bassin? Donc on retrouve le chien la tête en bas, mais qui n'est plus perçu ni anatomiquement, ni comme biomimétisme où j'imite une forme, mais comme le jeu de mon corps avec les énergies cosmiques. Ou encore, qu'est-ce que ça fait si Apana Vayu, donc cette force gravitationnelle vers le bas, s'exerce dans ma tête? Donc à ce moment-là, ma tête est attirée vers le sol. Maintenant, si Samana Vayu, la force centripète, s'exerce dans mon centre, à ce moment-là, tout se rapproche. Et si Udana Vayu s'exerce dans mes pieds, donc la force ascensionnelle. Peut-être ce que je dis, ça paraît un peu abstrait ou un peu mystique, mais il me semble que la beauté de cette représentation, c'est justement de prendre conscience qu'on n'a pas à compter sur ses propres forces uniquement pour faire ci ou ça, réussir ci ou ça, mais que là, en fait, mes pieds, par exemple, ils sont simplement... ils jouent sur ce courant ascensionnel. Et donc, il y a toujours dans cette représentation des forces universelles qui sont là pour nous mouvoir, nous nourrir, nous soutenir, nous aider, et qu'en ce sens, l'existence humaine, c'est pas de lutter, etc., mais simplement de trouver comment on joue avec ces différentes forces cosmiques, comment on joue avec ces directions, comment on entre dans la danse cosmique au lieu de refuser ou de lutter. Je vais terminer par une dernière posture qui est celle par laquelle on finit souvent une séance, qu'on appelle Shavasana, ce qui veut dire la posture du cadavre. Donc c'est une posture qui paraît très simple, mais qui ne l'est pas tant que ça.
Alors cet enchaînement, posture du cadavre, suivi de position fœtale, c'est une sorte de rituel par lequel très souvent on va clore une séance de yoga, donc ça dépend de quelle lignée, quelle tradition, etc. Mais c'est assez fréquent que ce soit la fin d'une pratique de yoga. Là, on voit qu'il y a encore cette idée d'habiter et d'accepter notre incarnation, notre nature de terrien mortel. Si on a une pratique régulière du yoga, ça veut dire que régulièrement, voire quotidiennement, on fait le cadavre, on mime la mort, donc en s'allongeant sur le sol et en laissant son poids fondre complètement dans la terre, en se déposant sur la terre et en essayant de ressentir justement l'effacement des limites entre son propre corps et la terre, l'effacement de la limite de la peau dont on cherche à percevoir la vibration. Et donc il y a vraiment cette idée de revenir à la terre, de se fondre dans la terre, de pas avoir peur que ça se termine un jour, mais au contraire de se familiariser, de s'exercer un peu quotidiennement à cette union avec la terre. Dans les premières années où on pratique le yoga, très souvent cette posture, surtout quand on est habitué à aller vite, faire plein de choses, elle rend complètement fou. On a l'impression qu'à partir du moment où on arrête le corps et on envoie à l'organisme le signal « maintenant, t'es mort », la pensée s'agite, on pense à 10 milliards de trucs, c'est très très difficile en réalité comme posture. Pas tant physiquement évidemment, que pour maintenir l'attitude de calme, observation, attention, concentration. Et précisément, c'est sans doute une forme de réaction ou de révolte de l'organisme de s'agiter absolument au moment où on lui propose le calme. Et puis au bout de quelques années, c'est une posture qui devient de plus en plus pacifique, où on travaille une forme d'acceptation et même de plaisir de cette inactivité et de cette paix. Et comme vous l'avez vu, la posture du cadavre ici, en fait, c'est une transition, puisque après, avant de se relever, on enchaîne sur la posture du fœtus. Donc là aussi, il y a une sorte de manière de mimer ou de symboliser le cycle de la Trimurti que j'ai évoqué, donc Brahma, Vishnu, Shiva, début, milieu, fin, en montrant que, en fait, toute fin est le passage vers un nouveau début. Que là, après le cadavre, je redeviens un fœtus. Et donc, c'est une manière de cultiver son appartenance au cycle naturel. Alors, évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'on doit croire à une renaissance individuelle ou qu'on doit croire à la réincarnation. Mais simplement, ça manifeste le fait que la nature est cyclique. J'ai cité tout à l'heure un extrait du Vijnana Bhairava Tantra, voilà, qui parle de ces cycles du soleil, des vagues. Et là aussi, l'être humain, très souvent, est en révolte contre ce cycle et on a construit dans la pensée occidentale l'idée d'une temporalité linéaire et non pas cyclique, avec une histoire qui avancerait de façon linéaire, une vie qui pourrait être immortelle, une croissance économique qui pourrait être infinie, donc un déploiement humain qui pourrait être sans limite et sans cycle. Et avec cet enchaînement final, on voit qu'au contraire, c'est une toute autre vision de l'humain et c'est une toute autre pensée qui cherche à s'incarner, mais au contraire, la pensée que plutôt que de lutter contre notre inscription dans les cycles, il vaut mieux en prendre conscience et entrer avec joie dedans. Ça rejoint une pensée qu'on trouve chez les philosophes stoïciens. Chez Marc Aurèle et chez Épictète, par exemple, ils indiquent que, de toute façon, on appartient à la nature et qu'on n'a pas vraiment le choix. Et face à ce constat, ils disent qu'il y a deux pistes. Soit on est en refus, en réaction, ou on est inconscient de cette appartenance-là.
mais du coup, on va simplement la subir. Soit on l'accepte et on cherche à entrer le plus consciemment possible dans cette réalité-là. Et c'est un petit peu la voie que recherche le yoga. Il y a beaucoup de passerelles entre la philosophie stoïcienne et la philosophie du yoga, ou les philosophies du yoga. Notamment cette idée de ne pas subir malgré soi, en râlant ou en ne comprenant pas bien ce qui se joue, les cycles naturels, en cherchant à construire au contraire une économie qui va croître sans fin, ou une vie humaine qui va être illimitée. Mais au contraire, voilà, entrer dans cette danse des cycles de la nature. Je voudrais donner encore une citation pour illustrer. Donc, en fait, quelques citations. Donc, je vais citer à nouveau le Vijnana Bhairava Tantra. Quelques stances qui illustrent ce que je viens de dire et plus largement différentes pratiques que j'ai montrées. Contemple les formes indivises de ton propre corps et celles de l'univers entier comme étant d'une même nature. Ainsi, ton être omniprésent et ta propre forme reposeront dans l'unité. La conscience est partout, il n'y a aucune différenciation. Ressens la conscience de chaque être comme ta propre conscience. Tout être vivant perçoit sujet et objet, mais le tantrika, donc le pratiquant de yoga tantrique, réside dans leur union. Donc ça, c'est l'un des sens du mot yoga en sanskrit, union. On peut l'interpréter de différentes manières, mais une manière qui me paraît pertinente et utile aujourd'hui, si on ne veut pas l'interpréter comme une union mystique qui ne nous parle pas forcément dans un contexte contemporain, c'est de façon minimale cette union à rechercher, à cultiver avec le cosmos, avec les cycles universels, plutôt que de se croire et de se concevoir à la fois individuellement et collectivement à l'échelle d'une société entière comme des êtres hors sol, vivant dans une bulle séparée du reste de la nature. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'il peut y avoir des passerelles claires entre la philosophie écologique ou la philosophie de la Terre que certains courants minoritaires de notre époque appellent de leur vœu comme étant un sursaut inévitable pour voilà avant de au lieu de foncer droit dans le mur et la pratique du yoga à la fois comme pratique physique et comme pratique poétique et comme incarnation d'une philosophie. Ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui me semble intéressant. C'est-à-dire que très souvent, la façon dont on apprend la philosophie, c'est purement théorique. On manie des concepts, on manie des démonstrations, des thèses, etc., ce qui est très bien. Mais dans le yoga, un des intérêts me semble être précisément de ne pas séparer la théorie et la pratique, ne pas séparer l'humain et le cosmos, ne pas séparer l'esprit et le corps, et proposer de faire de la philosophie d'une façon qui soit pas juste par l'intellect et par le discours, mais aussi en passant par le corps, par l'émotion et par une dimension incarnée et esthétique. Et je terminerai juste sur une citation du Spandakarika, qui est un autre tantra, dans lequel il est dit « Considère la contemplation de la vacuité comme un artifice analogue à une profonde absence au monde. » Et cette phrase, elle m'a beaucoup marquée, parce que, ayant été bercée de philosophie occidentale, de textes un peu comme celui de Pascal, qui explique que l'être humain est une conscience perdue dans un univers dépourvu de conscience, ça suscite ce que plusieurs philosophes de l'écologie profonde appellent une forme de sans-abrisme existentiel, en anglais « existential homelessness », c'est-à-dire le sentiment que nous, les humains, on est des êtres vraiment uniques, perdus au milieu d'un univers
sans signification, sans conscience, sans sensibilité, bref, perdu dans le vide. Et ça peut créer ce sentiment de contemplation de la vacuité et de dépression même, d'aspiration du vide, et aussi toutes sortes de courses pour essayer de remplir le vide, du temps, de notre agenda, remplir le vide de l'existence, etc. Dans le yoga de cette lignée tantrique, l'idée est qu'au contraire, si on croit qu'il y a du vide autour de nous, c'est un artifice analogue à une profonde absence au monde. Et que ce à quoi invite le tantra, c'est justement d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les sens, d'ouvrir le corps, et de s'apercevoir que l'univers n'est pas du tout vide, mais que par cette pratique-là, on peut ressentir physiquement, émotionnellement et consciemment toute cette vibration, cette plénitude avec laquelle on peut créer des liens plutôt que de s'abstraire dans des paradis artificiels et dans des outre-mondes technologiques. Bonjour, je suis Gilles, libraire à la librairie Le Pythagore. Pythagore, librairie indépendante spécialisée dans la bande dessinée, mais pas que. La librairie Le Pythagore a été créée il y a près de 40 ans par Francis Zand, un grand passionné féru de bande dessinée, qui a fait venir de grands auteurs dans la librairie. Le métier de libraire, c'est d'apporter du conseil, mais surtout d'apporter de la visibilité sur des titres qui peuvent peut-être parfois passer inaperçus, avec cette masse qu'on peut avoir de sorties littéraires ou de tout ouvrage qui peut y avoir. Pour le Salon du Livre, je dois vous présenter un livre que je n'aurais pas forcément lu parce que les dessins ne m'attiraient pas plus, et finalement, en découvrant cette histoire qui est super poignante, eh ben on donne l'envie de lire et d'en savoir un petit peu plus. L'auteur Chloé Wary nous a présenté un livre qui représente sa vie personnelle, explique les rencontres qu'il peut y avoir dans le milieu footballistique, et donc on suit un club de foot féminin à travers une touche très très humaine. Très, très personnel, ce club de foot féminin va rencontrer des difficultés, et parce que la municipalité de la ville n'aura pas le budget pour maintenir l'équipe masculine et l'équipe féminine. Et évidemment, on préfère toujours mettre en avant les hommes, malgré tout ce qu'on pourra dire sur l'égalité du sexe. L'héroïne de l'histoire ne va pas se laisser faire et organise plutôt un match, une rencontre entre l'équipe masculine et l'équipe féminine. Et vous doutez bien de ce qui va arriver. C'est pas de la ligne claire, c'est plutôt du réel, c'est triste, mais c'est réel, quoi. C'est ce qu'on demande et c'est super, super humain. Et c'est ce qui a fait à la fois que cette histoire est touchante et qu'on va vouloir aller au plus loin de ce récit. Le Salon du Livre, c'est pour nous une rencontre très, très importante parce que d'une part, on va avoir une rencontre avec le public, mais aussi une rencontre avec les auteurs. Donc là, je trouve super regrettable que ces mesures de confinement, finalement, vont nous faire passer ce Salon du Livre. C'est pour le bien-être de tous, je l'entends bien. Mais c'est un petit peu comme une relation à distance. Un Salon du Livre à distance, il ne faut pas que ça dure longtemps. Je m'appelle Rida Wergi, voilà, je suis enseignant d'éducation physique à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre d'une séance de motricité pour les maternelles. Alors, comment
commencer avec les mains ici d'abord. On va faire des petites bascules comme ça. J'interviens dans les écoles pour sensibiliser en fait les tout-petits. C'est un éveil moteur en fait. On prend la discipline du yoga, mais l'idée c'est peut-être pas de leur apprendre la discipline en elle-même, mais c'est d'appréhender cette discipline sous un angle moteur avec les différentes parties du corps à travailler, avec l'équilibre, travail des bras, travail des jambes et la perspective, c'est-à-dire que la mise en lumière de la motricité, on se sert du prisme du yoga, voilà. Les professionnels de la petite enfance et même les professeurs des écoles en maternelle mettent en place des séances de motricité, mais parfois on n'a pas toujours le temps de le faire. Et l'idée c'était d'apporter un outil accessible en fait aussi bien pour les enfants mais aussi pour les enseignants et les parents aussi. On détend un peu les jambes. Et là maintenant on va le refaire avec les mains en haut comme ça. Allez, on le refait. Restez un peu. Si c'est trop dur, vous pouvez remonter. Hein. Respirez. Soufflez. Et remontez. Un enfant, c'est très vivant. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on part. On ne peut pas partir dès le départ avec une idée préconçue de la séance. On part sur des grandes lignes, mais on sait très bien que ça peut déborder, ça peut marcher ou ça ne peut ne pas marcher, ça dépend du tempérament. Donc l'idée c'est de suivre en fait leur tempérament au moment de l'exécution, de voir déjà comment ils sont. Donc cette séance qu'on vient de faire, ça a très bien marché. Il y a des séances qui marchent moins bien. Bravo, bravo les enfants, je suis vraiment fier de vous. Hein. L'idée en fait du livre, c'est pour faire en sorte en fait que l'enfant en fait s'approprie l'outil livre. Il y a des images, il y a des illustrations, c'est illustré par Elsa Fouquier. Qui est une très, très, très bonne illustratrice. Et il y a du texte aussi. Donc on travaille avec l'imagination. Donc imagine que tu es une fleur qui flotte sur l'eau. Imagine, voilà. On pourrait très bien faire une séance en vidéo. Ça n'a pas le même impact. L'enfant, à travers le livre, peut s'approprier le livre. Et quand il aura l'habitude, il pourra très bien faire sa séance de manière autonome. Je rappelle que les ouvrages de Jeanne Burgard-Goutal et de Rida Wergi sont disponibles dans votre médiathèque Les Silos et au sein de vos librairies chaumontaises indépendantes, mais également au sein de toutes les librairies indépendantes de France. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission.